Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui apparemment était très attendue suite à ma vidéo sur mes sagas abandonnées, puisque je vais vous parler de mes sagas en cours, mais aujourd'hui je vais seulement vous parler de mes sagas de bande dessinée en cours, puisque comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, j'ai... Attendez, on va vous regarder. Bon, bien sûr, entre-temps, j'ai commencé d'autres sagas, donc on est passé, je crois, d'une quarantaine de sagas en cours à 44. Voilà. Est-ce que ce chiffre est totalement démentiel? Oui. Sachant que dans ces 44 sagas, il n'y en a que 5 qui sont en attente, en fait, c'est-à-dire où je suis à jour dans les dans la parution des tomes. Voilà. Bon, on va tous oublier ce chiffre beaucoup trop grand. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter seulement mes sagas de BD parce que j'en ai déjà 11 à vous présenter. Et je vous présenterai mes autres sagas en cours, donc qui sont des romans, dans une autre vidéo. Du coup, on commence tout de suite avec la première BD qui est Hayati, le tome 1, La légende des 5 pétales de Fernandez et Violo. Je n'ai lu que le premier tome. Il y a deux tomes qui sont sortis, je crois. Alors celle-ci, je me suis pas encore ruée sur la suite, déjà parce que les bandes dessinées ça coûte très cher, voilà, et parce que celle-ci c'était pas un coup de cœur, j'avais bien aimé, mais j'avais bien aimé. J'ai quand même envie de lire le tome 2 parce que j'ai envie de voir si c'est plus approfondi dans le tome 2, mais voilà, j'avais bien aimé. Et aussi, c'est ça que je vous ai pas dit, aujourd'hui je vous présente que des BD, j'aurais pu vous mélanger les BD et les romans. Mais du coup, je vous présente que les BD parce que j'ai envie de pouvoir vous montrer un petit peu les graphiques de chaque BD également. Donc du coup, on a celle-ci. Donc je vous dis, j'avais bien aimé, mais sans plus, j'ai bien aimé le fait que ça se passe en Inde. J'adore l'Inde et j'adore la culture hindoue, donc voilà. Et du coup, pour ce qui est des graphiques, des illustrations, hein, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ça donne ça. Hop. Voilà. Donc voilà, je vous dis, j'ai le tome de lire et je sais pas s'il y a que deux tomes ou si c'est juste. Attendez, je regarde. Non, je pense pas qu'il y ait que deux tomes. Je pensais juste qu'il y a que le tome 2 qui est sorti pour le moment. Et celle-ci, je l'avais achetée, je l'ai achetée cette année au salon du livre de la BD à Angoulême. Au salon du livre de la BD. Mais apprends à parler. Au salon de la BD à Angoulême cette année. Et d'ailleurs, pour toutes les BD que je vais vous présenter aujourd'hui, non, d'ailleurs, je vais dire des bêtises. J'allais vous dire, je les ai toutes achetées en 2020, mais non. J'ai commencé fin. Est-ce que j'ai commencé fin 2019? On va dire, ça fait tout juste un an que je m'achète des BD, sauf l'une d'entre elles que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est l'une des seules BD que j'ai vues quand j'étais plus jeune, mais sinon ça fait vraiment, on va dire, un an que je lis des BD. Voilà pourquoi j'en ai, j'allais dire si peu, mais en fait j'en ai déjà pas mal pour le peu de temps que j'ai commencé. Voilà. La deuxième BD, je viens tout juste de vous en parler dans mon update lecture qui est sorti mercredi. Il s'agit donc de Bleu au pays des songes de David Tosello, publié chez Vent d'Ouest. Et là, encore une fois, j'adore les dessins. De toute manière, moi, c'est un critère vraiment très très important pour les BD. Si le résumé me fait envie, mais que la patte graphique ne me plaît pas, il y a peu de chances que je lise. Vraiment, j'accorde vraiment beaucoup beaucoup d'importance au dessin. Pour moi, c'est normal de m'intéresser au dessin, puisque dans la BD, c'est pas comme dans un roman. Il y a vraiment, pour moi, c'est 50-50, 50 moitié dessin, 50 moitié histoire. Et du coup, si j'accroche pas au dessin, pour moi, c'est impossible de lire. Donc du coup, celle-ci, je vous en ai parlé dans mon update lecture, donc je ne vais pas vous en parler plus, et je ne vous montre pas d'illustration non plus, puisque je vous en ai montré là-bas. La BD suivante, il s'agit de Des Lumières dans la nuit de Lorena Alvarez. C'est publié aussi chez Vent d'Ouest. Elle est immense, je ne sais pas si vous verrez par rapport à une autre BD de taille normale. Ouais, elle fait vraiment... elle fait un bon centimètre de plus. Celle-ci, elle fait partie des sagas que j'aurais presque pu mettre dans mes sagas abandonnées parce qu'au final je ne sais pas si j'irai la suite. J'avais beaucoup de mal avec le tome 1, je n'avais strictement à rien compris. J'avais adoré les dessins, par contre, enfin, j'adore la colorimétrie et c'est à la fois hyper coloré et à la fois sur certaines pages hyper. Enfin, beaucoup plus froid. Mais j'avais beaucoup beaucoup de mal, je pourrais même pas vous le résumer parce qu'honnêtement, alors déjà les BD c'est compliqué pour moi de les résumer, mais là vraiment
je sais même plus de quoi ça parle parce que je vous dis, même quand je l'ai lu, j'ai pas compris. Voilà. Je voulais l'abandonner et je crois que c'est Rachel qui m'avait dit de continuer, enfin en tout cas de lire le tome 2, parce que je crois que c'est qu'une duologie de toute manière, et qui m'avait dit de lire le tome 2 parce que le tome 2 était mieux. Donc écoutez, c'est pour ça que je l'ai gardé, mais honnêtement, ça fait pas du tout partie de mes priorités à acheter. Et bon, bah, comme les BD ça coûte cher, je ne sais pas. Si je la trouve d'occasion, je pense que je l'achèterai. Autrement, je suis pas sûre de lire la suite. Mais je vais quand même vous montrer une planche ou deux parce que vraiment. Juste en fait, je pense que même juste une. Voilà, juste ça, je pense que ça parle de soi-même. Hein. Et je vous disais, après, on a des planches du coup qui sont dans le vrai monde pour le coup et qui sont avec des couleurs un peu plus froides comme ça. Mais voilà, dites-moi vous si vous l'avez lu parce que j'en entends assez peu parler de cette BD. Donc du coup, je suis curieuse de savoir si vous avez aimé et si vous avez lu les deux tomes du coup. La BD suivante, encore une fois, je vous en ai parlé dans mon point lecture de mercredi, dans mon update lecture. Il s'agit donc de Camille de Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschardes. Ici, c'est le tome 1. J'ai les deux premiers tomes. Ça, à savoir que pour celle-ci, je suis dans les sagas en attente puisqu'il n'y a pas d'autres tomes de sortie. J'ai lu les deux premiers tomes. Donc écoutez, petite fierté, on peut dire que je suis à jour, même si en fait je ne suis même pas sûre qu'un jour une suite sortira parce que je n'en entends parler nulle part. Pourtant, le tome 2 est sorti en 2017, donc il y a 3 ans. Et depuis, on n'a aucune nouvelle du tome 3. En tout cas, j'ai rien trouvé sur internet. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, ici, encore une fois, je ne vous montre pas les illustrations parce que je vous les ai montrées dans mon update lecture et je ne vous fais pas de résumé non plus parce que j'en ai fait un là-bas. Voilà. La saga de BD suivante, c'est Les Carnets de cerises de Joris Chamblain et Aurélie Néré, qui est l'une des premières BD que j'ai commencé à acheter du coup en fin d'année dernière. Et j'aime beaucoup. J'ai lu les deux premiers tomes, j'ai les deux suivants dans ma palle. Il me manque le 5 et il me manque le... pas leur série, mais je crois qu'après c'est les carnets de Cerise et Valentin, je sais plus, quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces BD. Encore une fois pour les dessins bien sûr, mais aussi pour l'histoire. À chaque fois on aborde des sujets plutôt importants, c'est hyper bien fait, c'est poétique, c'est mignon. Et en plus dans cette BD là, la particularité, c'est qu'on a donc du coup les carnets de Cerise. Et donc on a Cerise et on a vraiment des pages de carnet, vous voyez, comme ça. Donc avec le carnet que Cerise écrit, où elle nous présente ses amis, etc. Et après, en dehors de ça, on a aussi l'histoire. Et au fur et à mesure, on va pouvoir retrouver d'autres pages de carnet. Et vraiment, à chaque fois, c'est... en fait, Cerise, elle rêve de devenir écrivaine. Et en fait, elle adore observer les gens et essayer de deviner leur vie, leurs secrets, etc. Et du coup, à chaque fois, ça va la mener dans des enquêtes. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette BD. Et apparemment, plus les tomes avancent et plus on aborde des sujets importants et plus ça devient pas adulte, mais en tout cas, on reste pas sur de la jeunesse toute simple, entre guillemets, et on aborde quand même des sujets importants. Ensuite, on a Les Sœurs Grémillet de Di Gregorio et Barbucci. Ici, pour le moment, on n'a qu'un tome de sortie. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette BD. C'est vraiment le style de dessin que j'adore. Voilà, je vous montre un petit peu. Hop. Voilà. C'est totalement le style de dessin que j'aime. Et ici, encore une fois, j'avais été très surprise en le lisant parce que pour le coup, alors, je vais pas vous spoiler parce que j'ai envie que vous vous laissiez surprendre aussi. Je m'attendais à quelque chose, au final c'était pas ça du tout, et au final on aborde un sujet très touchant et très peu abordé je trouve, surtout en jeunesse. C'était très bien fait et vraiment j'ai hâte de lire la suite, sachant qu'ici du coup on va suivre trois sœurs, et dans ce tome-ci on va plus se porter sur Sarah qui est juste là, et apparemment dans les tomes suivants on va s'intéresser davantage aux deux autres sœurs. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de lire la suite de cette BD, quand elle sortira bien sûr. D'ailleurs, ça fait partie de mes BD en attente, ça. Mais oui, ça fait partie de mes BD en attente. Quoi ? On en est à... Bon, on en a deux.
sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 2 sur 6. Écoutez, ça fait un tiers. C'est déjà pas mal, je trouve. Tout à l'heure, je vous disais que quand j'étais plus jeune, il y a une seule BD que j'ai vraiment lue, en dehors des BD de mon frère et de mon père que je lisais, c'est-à-dire les profs, les Ducobu, etc., que je lisais sans vraiment grand intérêt. Mais la première BD qui m'a vraiment, vraiment donné envie et qui m'a plu, c'était Lou, comme pour beaucoup. Donc Lou de Julien Neal, publié chez... chez Album Double, non ? Chez... Si, c'était Album Double, la maison d'édition. Mais non, c'est pas Album Double, c'est Glénat, non ? Les autres tomes sont publiés chez Glénat, en tout cas. Ah oui, mais c'est classé France Loisirs. C'est que j'avais le... j'avais l'édition France Loisirs. Mais j'ai le tome... Ah mais oui ! Je comprends rien. C'est qu'en fait, mon tome 1, j'ai le tome 1 et 2 en fait sur la même BD. Voilà, je m'en souvenais plus. Lou, c'est toute mon adolescence. J'adorais cette BD vraiment. Et je me suis rendu compte il y a très peu de temps qu'en fait, je ne l'avais jamais terminée. Il me reste le tome 7 et 8 à lire. Je les ai jamais lus. Du coup, j'ai acheté les tomes 7 et 8 il y a très très peu de temps. Et du coup, j'aimerais bien me faire une grosse relecture en fait en relisant les 6 premiers tomes donc, que j'ai déjà lus. Pour certains, un bon nombre de fois. Du coup, j'aimerais bien voilà, relire les 6 premiers tomes et finir en lisant le tome 7 et 8. Avant que le nouveau tome ne sorte, je vous en ai parlé dans mes sorties les plus attendues de novembre. D'ailleurs, je suis un petit peu triste parce que du coup, suite au confinement, cette sortie va être repoussée. Je ne sais plus à quand. En tout cas, elle est repoussée. Elle ne va pas sortir tout de suite. Mais du coup, on va avoir une suite à Lou. On va suivre Lou à l'université. Là, on suit Lou dans son enfance et dans son adolescence dans les tomes suivants. Et voilà, j'ai vraiment envie de me refaire une grosse relecture de Lou, de relire tous les tomes d'affilée avant de pouvoir lire la suite. Du coup, je vais vous montrer aussi ici quelques dessins, même si les dessins ont bien évolué par la suite. Mais pour les premiers tomes, en tout cas, on était sur ça. Voilà. Et ici, j'ai pas grand chose à vous dire en fait, on va juste suivre Lou qui est une petite fille. Je pense qu'elle a une douzaine d'années dans le premier tome, mais en fait on va juste suivre les histoires d'une petite fille de 12 ans, voilà, avec sa mère, son chat, ses copains, ses amours, etc., etc. Et juste, j'adore cette BD. La BD suivante, ça aurait pu faire partie de mes BD d'enfance parce qu'elle est sortie il y a très très longtemps. Mais je ne sais pas, je suis complètement passée à côté quand j'étais plus jeune, c'est donc Witch. Ici c'était publié chez Glénat et j'ai pas le nom des auteurs, je crois qu'il y a Barbucci aussi comme dans Les Sœurs Grémillées. Idée originale Elisabeth Agnone, Alessandro Barbucci et Donald Soffritti. Voilà, j'ai commencé cette saga il y a très peu de temps, j'ai lu le tome 1 et tome 2 et je vous en ai parlé. Est-ce que c'est dans mon update lecture de septembre que je vous en ai parlé ? Je sais plus. Mais ces BD, elles ne sont plus publiées en fait. Et elles sont très très dures à trouver maintenant. Et, elles sont pas à moins de 30 euros le tome d'occasion en fait sur internet. Mais elles sont rééditées en anglais depuis peu. Et en fait dans chaque tome en anglais, on va avoir l'équivalent de 4 BD je crois. Quelque chose comme ça. Donc voilà, moi j'ai réussi à avoir les deux premiers tomes en français sous format sous l'édition de Glénat, mais par la suite je me les achèterai en anglais parce que j'ai vraiment envie de continuer. Et bon, c'est quand même assez simple, c'est de la jeunesse, du coup en anglais je sais que j'aurai pas de mal et j'ai vraiment vraiment envie de continuer, donc je continuerai en anglais. La BD suivante, elle fait aussi partie de mes BD coup de cœur, c'est La boîte à musique de JG et Carbone. Pareil, pour le coup, les illustrations, c'est vraiment, vraiment tout ce que j'aime. Du coup, la boîte à musique, vraiment, visuellement, c'est... Eh, hey, mais elle a dîné, ma bébé. Ok, alors je viens de découvrir qu'il y avait de grosses rayures sur mon tome 1 sur la tête, mais je l'avais acheté d'occasion, lui. Je sais plus. Est-ce que je l'avais... Non, je l'avais pas acheté d'occasion. Ah, je suis dégoûtée. Est-ce que je l'avais mis dans une photo? Non, juste que c'est, non, ça n'a pas pu être dans une photo. Bref, je vous disais, au niveau des dessins, c'est vraiment... C'est féerique, en fait. C'est juste magnifique. Voilà, vraiment, j'adore les dessins, j'adore l'histoire. C'est juste magique, en fait. En fait, ici, on va suivre une petite fille qui s'appelle Nola. Nola, elle va recevoir une boîte à musique. Et en fait, elle va vite se rendre compte que bah, dans cette boîte à musique, il y a quelqu'un qui essaie de lui parler et qu'en fait, elle peut rentrer à l'intérieur.
et découvrir un tout autre monde et un monde auquel sa maman appartenait. Et du coup voilà, j'ai les trois premiers tomes. Je ne suis plus à jour depuis très peu de temps parce que le tome 4 vient tout juste de sortir et du coup je ne l'ai pas encore. Mais j'ai lu les trois premiers tomes. Je pense que je me ferai une relecture avant de lire le tome 4. Mais voilà, du coup on va suivre Nola à travers ses aventures dans le monde de Pandorian, donc qui est le monde dans la boîte à musique. On va la suivre dans le monde de Pandorian, on va suivre ses aventures, on va la suivre avec ses amis, etc. Et vraiment cette BD, mais c'est un coup de cœur, je l'adore. L'avant-dernière BD, il s'agit de Lulu et Nelson, de Gérard Aumont et Néré, donc Aurélie Néré, qui est aussi l'illustratrice de Les Carnets Cerises, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi. Du coup, ça fait partie des premières BD que j'ai achetées fin 2019. Et déjà, juste la beauté de ces couleurs. Encore une fois, les dessins. J'ai l'impression que je me répète pour toutes les BD, mais vraiment. Voilà. Ici, on va suivre Lulu, qui est une petite fille qui a grandi dans un cirque avec son papa, sa maman et des lions. Elle a perdu sa maman étant plus jeune et Lulu va vouloir partir à la recherche de lions. Elle va vouloir partir en Afrique à la recherche des lions. Et on va la suivre avec son papa à son arrivée en Afrique. Et on aborde un sujet auquel je ne m'attendais pas du tout en fait quand je l'ai commencé. On va parler de ségrégation raciale et c'était vraiment hyper bien fait. Et Lulu là-bas va du coup rencontrer Nelson, ce petit garçon qui va lui venir en aide. Et j'ai vraiment 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 hâte de lire la suite. On n'a pas encore de tome 2 d'annoncé, mais vraiment j'ai trop hâte de lire la suite. Et enfin, la toute dernière BD que je me suis aussi procurée au salon de la BD à Angoulême, c'est Olive de Véro Caso et Lucie Mazel, voilà, qui va être normalement en 4 tomes. C'est une jeune fille qui m'en a fait le résumé à Angoulême, au festival de la BD. J'étais juste en train de regarder la couverture comme ça en me disant que c'était hyper joli. Et en fait, elle m'a fait un résumé et je me suis dit « Ok, je prends tout de suite ». Ici, on va suivre du coup Olive, qui est une petite fille qui est tout le temps dans les nuages. Et en fait, quand elle est dans ses pensées, elle s'est créé un monde imaginaire. Elle a vraiment une sorte de double vie en fait. Elle a sa vie normale dans le monde réel et sa vie dans son monde imaginaire qu'elle a créé toute pièce. Et en fait, un jour, il y a un homme qui va débarquer dans son monde imaginaire, un homme qu'elle n'a pas créé, un homme qui apparaît comme ça, elle ne sait pas d'où puisque c'est pas elle qui l'a fait venir, du coup elle ne comprend pas. Le seul reproche que je pourrais avoir pour cette BD, c'est que, alors je sais pas si c'est un reproche pour la BD ou pour la personne qui m'a fait le résumé, mais en fait la personne qui m'avait fait le résumé, j'ai pas envie de vous spoiler du coup, mais la personne qui m'avait fait le résumé m'a fait plus ou moins un résumé du tome 1 en entier et je m'en suis rendu compte en le lisant, c'est-à-dire que moi j'attendais un événement en particulier dont elle m'avait parlé et cet événement en fait il arrive à la fin du tome 1 du coup. Quand je l'ai terminé, j'étais un petit peu sur ma faim parce que du coup je me disais « Oui mais d'accord, mais tout ça je savais, mais du coup je veux savoir la suite. » Je ne sais pas quand est-ce que sortira le tome 2, celle-ci est sortie début mars, donc il faudra peut-être attendre encore quelques mois. Mais en tout cas j'ai hâte de savoir la suite parce que du coup, eh ben, je suis restée sur ma faim comme je vous dis, et du coup j'ai vraiment envie de savoir la suite. Du coup que je vous montre aussi quelques dessins. Voilà, c'est tout simplement magnifique. Et puis en plus, j'avais eu une super dédicace. Ouais, pour une fois que j'ai une dédicace, je vous montre. Voilà. Donc j'étais très contente. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour mes sagas de BD en cours. Et c'est déjà pas mal, sachant que j'en ai d'autres qui sont dans ma palle en fait et que je n'ai pas encore commencé. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense que après les vidéos de mes sagas en cours, je vous ferai peut-être également des vidéos sur ces sagas qui sont dans ma palle et que je veux commencer. Je pourrais pas vous parler de toutes ces sagas qui sont dans ma palle, parce que de tous ces tomes 1 qui sont dans ma palle, tout simplement parce qu'il y en aurait beaucoup trop. Mais je pense que je pourrais vous faire peut-être un top 10 ou un top 15 de ces sagas dont le tome 1 est dans ma palle et que je veux absolument commencer. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Peut-être que je vous aurais donné envie de lire de nouvelles BD, et si c'est le cas, eh ben, je ne m'en excuse pas, je suis très contente au contraire. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous. Salut !